gouvernement minoritaire. Novembre 1972. Une nouvelle étoile brille dans le ciel canadien. Une étoile artificielle. C'est le satellite de télécommunication Anik A1. Le Canada devient alors le premier pays à posséder un satellite de télécommunication domestique en orbite géostationnaire. C'était il y a 50 ans. Perché sur cette orbite géostationnaire, le satellite Anik A1, dont le nom signifie « petit frère » en Inuktitut, semble immobile au-dessus de nos têtes à longueur d'année. En fait, il suit la vitesse de rotation de la Terre, ce qui lui permet de couvrir une région du globe en particulier. Sur sa tête, une antenne est pointée vers la Terre. La mission d'Anik A1, déployée sur l'ensemble du vaste territoire canadien, les services de la radio, de la télévision et de la téléphonie. Le nouveau satellite permet non seulement aux communautés du Nord de regarder des émissions télévisées en direct pour la première fois, mais aussi d'acheminer du contenu culturel autochtone vers les autres régions. Exploité par la compagnie canadienne Telesat et lancé depuis la Floride, le satellite Anik A1 est le premier d'une longue série de satellites du même nom. Quelques mois après ce premier lancement, deux autres satellites A seront lancés. Anik A2 et Anik A3 viendront appuyer leur grand frère en desservant une centaine de stations terrestres au Canada. En tout, 16 satellites de la série Anik seront lancés, dont quelques-uns sont encore en service aujourd'hui, notamment Anik G1, le dernier de la série. Quant à Anik A1, dont l'espérance de vie était à l'origine de 7 ans, le plus vieux des petits frères a tiré sa révérence après 10 ans de loyaux services. Aujourd'hui, il continue à errer au-dessus de nos têtes, mais sur une orbite dite cimetière, loin de potentielles collisions sur l'autoroute des satellites fonctionnels.